Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, grâce à Dieu. On vient juste de se réveiller, moi et les enfants. Leur papa dort encore. Il fait froid depuis hier, comme pas possible. Mais pendant la nuit, je suis en train de dormir, je ne savais pas. Je me suis réveillée, j'étais grave froid là, j'ai touché mon corps. Et du coup, je suis allée allumer le truc en question. C'est comme ça que vous voyez, je me réveille en pull. J'ai froid, j'ai trop la flemme. Puis voilà, la journée commence. Aujourd'hui, je vous prends avec moi toute la journée. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais on est ensemble comme d'habitude. Les enfants vont bien, sauf qu'il y en a un qui est un tout petit peu malade. On l'a amené à l'hôpital. Je vais vous montrer en vidéo juste après. Nasir, ça va? How are you feeling? You feeling better? Yeah? Salut les amis, en fait mon... Oh, salut, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche. Nasir, il se sent pas bien. Toujours enrhumé, le nez qui coule. Toute la nuit, il avait la fièvre. Et là, je viens de la pharmacie pour chercher les médicaments. Donc, je l'ai déjà donné. Je trouve que ça va mieux parce qu'il était vraiment très chaud. Yeah, ça va mieux. Ça va? Ça va? Vous savez qu'il est trop souriant, mais regardez là maintenant. Mon cœur. Ça va? Bien? Il est très fort là. Si c'était Samir, oups! Ça va? Alors là, je vous ai filmé une petite vidéo que vous venez de voir. Là, c'était depuis vendredi. Où était malade et tout. C'est quoi Samir? So, j'avais même pas le temps de filmer toute une vidéo entière. Parce que voilà, j'étais vraiment trop prise. Tout mon temps était là de prendre soin de... Bien sûr, ça n'allait pas. Il n'arrivait pas à respirer de son nez. Et donc, jusque-là, la fièvre a pris fin. Mais le nez continue à couler. Sauf s'il y a des personnes qui connaissent, qui savent le médicament que je peux lui donner. En tout cas, aidez-moi parce que j'ai des médicaments que je suis en train de mettre dans son nez. Disons, j'ai squeeze, j'ai spray dans son nez. Mais je trouve que ça prend un bout de temps pour que ça guérit. Bien que, on a dit que c'est une pandémie, disons un petit virus là. Tous les enfants, même à la crèche, tous les enfants que je suis en train de voir, ils ont les nez coulés, mais moi j'ai juste envie que mes yeux puissent guérir. Il est arrivé là. Vous voyez comment, oh, ça coule encore. Ça va mon cœur? Oh, toujours souriant. This is Rachel. Avec Nasir, en tout cas, c'est trop trop bien. Nasir, il commence à jeter des petits mots là. Go! Yes! More! Qui est même son frère. Donc, les enfants, je vous recommande This is Rachel. Pour les gens qui ont encore des enfants trop petits là. Faut pas exposer trop gros comme melon. Sinon, c'est chaos, je vous jure. J'ai l'expérience. On va changer les diapers, donner le biberon et puis la journée commence. Voilà! Ok, guys. Eh, mes cheveux, c'est n'importe quoi, regardez. Je suis en train d'écrire à la personne qui va me coiffer que si elle peut me laisser venir à 10h30 parce que voilà, j'ai toute une journée, j'ai des trucs à faire à la maison, si je peux venir en temps. Mais elle n'a pas répondu, sûrement elle dort encore. Le froid a recommencé, disons, à repris. Il fait froid aujourd'hui, il pleuvine. Donc là, je vais d'abord courir à ma banque. J'ai laissé les enfants avec leur papa. Et puis, je dois passer à acheter du lait parce que je n'ai plus du lait ni d'eau. Et sa mère, son breakfast, elle a besoin du lait. So, j'ai besoin du lait. Là, je vais vite courir. J'ai laissé Nasir, il commence à pleurnicher et tout. C'est ce genre de enfants qui trop collés à moi, genre. Et c'est quoi? Yeah, so... Yeah, je vous reviens tout de suite. Yeah. Ça fait longtemps que je conduis. Hein. Quand je conduis à nouveau,
l'impression, je sais pas si j'ai peur ou quoi. Mon mari me conduisait toute la semaine, mon mari était en train de me conduire. C'est comme ça la ville, il pleuvine, il fait froid. Je suis sortie en doudoune aujourd'hui. Voilà. Are you serious? Regardez comment si j'ai envie de les taper comme. Are you serious? Are you serious? Je suis en train de mettre du jus pour lui. Il verse tout par terre là. Voilà. Voilà. Tu viens de faire ça. Samir! Ok, guys. Comme vous avez vu, Samir il a fait n'importe quoi. Et j'ai fini clean. Donc, j'annule encore. Je vais pas faire mes cheveux aujourd'hui. Il pleut de ouf dehors. Et normalement, je devrais sortir avec Nasir seul. Sortir avec lui dans la pluie pour aller dans la voiture et tout. Je viens d'appeler la fille et puis elle dormait encore. Elle me dit demain. Donc, demain. Je vous fais un petit haut de ce que je viens d'acheter. Mais mes cheveux, c'est n'importe quoi. Regardez la devanture là. Putain, Joe. So yeah, je vous... Oh, il pleut de ouf. Mon phone reste posé là. So, je vous montre un peu tout ce que j'ai ramené avec moi au marché. Ok, des snacks. Alright, ça, on commence avec ça. J'avais besoin que de ça, l'aubergine. Je vais faire le pondu avec. J'ai acheté ces snacks. Je vois beaucoup des enfants mangent, j'en prends trop. Et c'est pas trop sucré sur Odeke. Si je me suis dit, je vais essayer avec Samir. Déjà, il boude, mais il a pris quelques. Nasir, lui, il mange, donc il a mangé. So, Yashida, pizza. Et le verre ici. C'est trois différents flavors. Ensuite, j'ai pris ça depuis hier. Il y a Oreo. Il y a Oreo. Oh, le jaune. Ça, golden. Ça et des chips comme ça. Des cookies, sorry. So, yeah. Ça, j'ai acheté ça hier. D'ailleurs, j'ai amené ça pour mes élèves de Iker. C'était trop bien. Ils ont pris leur spécial snack venant de madame. Ensuite, j'ai pris des plantains ici avec moi. Et j'ai pris quelques Yoplait Yogurt for Nasir. Il aime beaucoup. À la vanille. Oups. Vous voyez la réalité de filmer, c'est comme ça. Donc, il aime beaucoup. C'est trop bien. Moi-même, j'ai essayé. C'est bon. Donc, j'ai pris deux cartons. Ensuite, j'ai pris quelques. Fruit snack, Samir il aime beaucoup ça, moi perso. Et des petits comme ça, il va amener à l'école. Il y a 40 pouches qui est juste trop bien. J'ai acheté des légumes spinach. J'ai pris aussi la viande de chèvre, c'est trop cher. J'ai acheté 4 comme ça. Donc, 2 je vais mettre au frigo, 2 déjà au feu. Aujourd'hui, j'ai pris de coca, de l'eau et j'ai pris ce coca cherries Coca-Cola. C'est trop bon, j'aime trop. J'ai cherché la levure aujourd'hui, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé quelque chose de différent. Je ne vais pas acheter parce que j'ai envie de faire les levures. Donc, c'est un peu ça. Et sinon, on est là, ça va. Ça fait très longtemps que j'ai filmé. Je trouve ça un tout petit peu étrange, trop new pour moi. J'ai trop maigri, je sais, si vous pouvez même le voir de mon visage et tout ça. I can't wait de stopper à faire tété, Nasir, tête comme pas possible.
Mais quand je vous dis tété, pas tété là. Non, il y a les heures de tété, non, il tète de ouf. So, je suis en train de voir, même quand il aura sorry, 10 mois, bien 11 mois, je sais pas. À l'hôpital, on a dit que ce sera permis pour me déconcer prendre le lait. Sorry, le lait que Samir prend. Donc, je vais laisser, mais sinon, il tète beaucoup, je ne dors pas. Et j'ai maigri, c'est n'importe quoi. Dites-moi comment faire pour grossir un tout petit peu. Juste un tout petit peu, pas grossir. Non. So, yeah. C'est un peu ça. So, je vais faire la cuisine. Mon mari travaille aujourd'hui, bientôt, à 13h. Il est déjà 11h43. Donc, je dois faire quelque chose pour lui, pour amener. Ça, c'est la réalité de quand on filme sans tripod. Je dois acheter ça aujourd'hui même en ligne. Donc, c'est un peu ça. Rien ne va sur moi, genre mon visage, mes cheveux, ma peau, genre... Non, demain on doit faire des soins. Demain je filme, je fais mes soins et tout. J'ai quelques trois choses à acheter chez Sephora et Target, mais je vais faire ça demain. Donc voilà. Tout est propre, monsieur est parti, j'ai déjà fait son lunch. Je fais un peu de plantain ici que je vais manger seul. Donc je fais du spinach avec des poissons salés. Et ici j'ai la viande de chèvre. Là il y a les foufous. Je vais donner à sa mère tout de suite là. J'allume les petites bougies là parce que d'ailleurs c'est fini. Ouais, là j'ai fini à prendre mon bain. Oui, oh. C'est un message que je viens de recevoir. Je finis à prendre mon bain, je suis assise au salon. Nasser qui dort, Samir qui est avec moi qui essaie de dormir aussi. Et j'attends que mon mari arrive. Yeah. Il est déjà 22h. Comme vous avez vu, aujourd'hui c'est la journée comme ça. Rien de grave comme d'hab, mais voilà, on a passé toute une... Aujourd'hui, ensemble, on va vous montrer tout ce qui s'est passé là. Ouais, c'est un peu ça, trop difficile à filmer ces jours-ci, le fait que je rentre. Mais je vous jure que je rentre à la maison trop fatiguée, fatiguée de ouf, comme pas possible. Et j'arrive pas à prendre ma caméra à filmer, prendre soin des enfants, cuisiner, être prêt pour la crèche le lendemain, tout ça. Et maintenant... Mon travail, vous savez que je suis une maîtresse là, donc j'essaie de préparer des activités pour les enfants le lendemain et tout, ce qui va avec, donc c'est un tout petit peu compliqué, mais en tout cas je reviens, je vais essayer, je veux essayer de commencer à poster chaque samedi alors, voilà, donc les vrais restent avec moi et continuer à mettre sa peau surtout, je pense que je poste trop souvent maintenant sur Snap. Et Instagram, surtout que je fais des photos de story game chaque vendredi, non, chaque samedi, je poste dans ma story et beaucoup de gens aiment trop, donc trop souvent je vais faire ça. Pour aujourd'hui, c'est fini, je pense que je filme demain aussi. Je vais commencer à filmer deux jours, samedi, dimanche. I hope you're enjoying this video. Make sure you give it a thumbs up. Subscribe on my YouTube channel for more videos. Je vous invite demain avec moi au salon pour faire mes cheveux. Ça, c'est n'importe quoi. I love you all. Jesus love. See you all. And I will see you guys in the next one. Bye. No. Accenti. Bye, guys.